Alors Cosmo Connected, c'est une boîte qui a été créée en 2015 qui a développé les feux connectés pour les motos. C'est un feu qui va détecter la décélération du motard, donc avec un accéléromètre à l'intérieur. Dès que je vais ralentir, le feu va s'allumer plus fort. Il y a différents allumages, là il est en mode feu de position, mais il peut aussi être éteint et s'allumer uniquement quand on ralentit, ou alors en feu de warning. Il se positionne à l'arrière du casque pour être visible à hauteur des yeux des autres véhicules, avec une simple base magnétique. En plus de ça, l'objet détecte les chocs et les accidents. Si j'ai un accident avec, ça va automatiquement envoyer un SMS avec ma position GPS à l'un de mes amis ou de mes contacts. Et il peut aussi prévenir les secours, comme le service de e-call pour les voitures. En gros, si je ne réponds pas à mon téléphone, on envoie automatiquement les secours là où il y a eu impact. Donc ça, c'est pour la version moto. Et la version vélo est exactement le même principe, même device, plus petit, plus léger, avec en plus la fonction de clignotant qui se clipse et qui se déclipse, qui peut se régler en hauteur aussi. Les clignotants qui s'activent soit par GPS en rentrant à sa destination, soit avec une télécommande qui se fixe au guidon. Et vous pouvez positionner votre Cosmo Connected à la fois sur votre casque de vélo, mais aussi sur votre guide, sur votre vélo. Détection des chocs aussi, en envoyant un SMS avec sa position GPS à l'un de ses proches. Voilà, l'objet, il fait 80 grammes pour la version vélo, 140 grammes pour la version moto. Et la gamme de prix pour le moto, c'est 119 euros, 129 euros. Et pour le vélo, ce sera autour de 69 euros, prix marché.